On est jamais parti aussi tard, non. Il est 19h40. Il est presque 20h, ouais. Donc voilà, petit départ donc pour aller défier nos amis rennais au Roquensolex, donc situé à 800 km d'ici. 800 km. Et déjà le premier but, c'est de sortir de Lyon. Ça serait pas mal. Et trouver un hébergement assez rapidement. C'est parti. Bonjour monsieur, on va en direction de l'ouest. Merci les gars. Comment il s'appelle déjà? Exactement, ça c'est beau. Et voilà, le soleil est désormais couché. Il est vraiment couché, il est du coup à notre monte presque 21h. Et on c'est est sur une aire d'autoroute quoi. C'est ça qu'on aime. Serein quoi. Là on sort de la zone de confort. C'est là. Ça, c'est ça qui est bon. On est couplé, on a déjà deux covoitureurs avec nous à l'arrière, désolé. Ah mais ils ont c'est mieux que des covoitureurs. Ouais mais ils ont payé. Eh hein. Oui, ils ont payé, ouais. On peut rien faire. C'est quoi Quentin? Ça a un goût de premier don. De bon premier don. Merci Arnaud. Merci Arnaud. Merci Arnaud d'être venu prendre en photo. Et donc nous sommes en route en direction de la fameuse commune d'Amion. Et voilà, livré à nous-mêmes à Amion. Yeah! J'ai jamais fait de hoverboard, est-ce que c'est possible d'essayer? C'est vachement dur, en vrai tu vas te casser la gueule. Hein. Et maintenant vous avancez. Vas-y, viens. La réaction est chaud, Le terrain est lourd, là c'est chaud, on fait ce qu'on peut. Hein. Oh là, je tourne. Donc là, on est en route avec Lulu et Jessie, qui apparemment auraient un plan pour nous héberger. Enfin, un plan, des gens qui pourraient potentiellement. C'est pas un plan. Non, mais une idée quoi. Donc voilà, donc on espère que ça va marcher. Hein. On voyage avec mon ami Thomas, on va jusqu'à Rennes en stop, et on voyage sans argent, et du coup, le soir, on cherche un hébergement chez l'habitant. On prend pas beaucoup de place, on est là pour aussi aider si vous avez des, genre, du jardin à faire, ce genre de choses, on a le temps. C'est pour ce soir. Pour ce soir, ouais, c'est possible. Ça va être compliqué. Et le soir, en échange de service, on demande l'hospitalité aux gens. Ah, désolé. C'est difficile. T'as pas un presbytère ou un endroit où il habite? Ok, il y a un matelas. Mec, au pire, on fait ça. Il était pas là tout à l'heure, c'est un signe du destin. C'est là où on va. Bonsoir. Bonsoir. On est deux voyageurs avec Thomas et on nous a guidés jusqu'à vous pour. On cherche l'hospitalité ce soir. On voyage jusqu'à Rennes en autostop sans argent. C'est que nous on est en plein déménagement. Voilà. Ah, d'où le matelas. Voilà, d'où le matelas dehors. Exactement. Et il n'y a pas un petit bout de place qui resterait pour nous. On ne veut pas s'imposer. Ça. Merci beaucoup. A tout de suite. Voilà, ça vient de la dernière fois. Voilà, c'est un truc. Ouais, omelette et des œufs de mécane. C'est vrai? Ah, trop cool. C'est des œufs frais, ça c'est pas des industriels. Ça c'est vraiment. Ça c'est mécane à moi. Et t'as pas de vacances là? Non. Ça. Bah non, la restauration des vacances, ça, c'est l'été. Moi je les prends. Comme ça va du calme parce que. Et ouais, c'est bon. Les gens partent, voilà, ouais. Parce que j'ai de la restauration des gens qui. Faire la vaisselle en échange d'un repas. Voilà, il a un hébergement. Comme à la maison. Overboard. Et Ludwig. Vas-y, mec. Vas-y. Super, ouais, nickel. Comme ça, c'est le petit truc sympa. Exactement, que les gens. Décoration. Voilà. On va expérimenter l'entraide entre hébergeurs. À savoir qu'on va proposer à toutes les personnes qui vont nous héberger de nous donner quelque chose qu'on gardera pas, mais qu'on va ensuite refiler à la personne qui nous hébergera le jour d'après. Histoire de voilà, créer un petit cercle vertueux de. C'est neutre et. Ceci est le premier cadeau. Ouais, parce que c'est comme poussière. Yes. 9h, on sort de à moi. Après une petite soirée tout à fait charmante avec Sandrine et Patrick. Et Patrick.
Sandrine qu'on a du coup, sans faire exprès, sans le vouloir réveiller, puisqu'on est arrivé un peu tard, il était 22h. Sandrine qui nous a accueillis les bras ouverts malgré la fatigue et la tenue un petit peu de nuit quoi. De nuit quoi. À nous de trouver l'hébergement plus tôt ce soir. Ouais, grave. Faut pas, en même temps, on partira pas à 19h30. Ouais, c'est ça. Et là, enchaînement avec le top. Il est beau, il est fier. Pas de bol. Pas de bol. Après une minute sans succès, on pousse le sac pour garder son dos en bonne santé et en bonne condition physique. Bonjour messieurs, dames, nous allons en direction de l'autoroute. Eh bien allez, on vous emmène. Super, merci beaucoup. Une chance sur deux. Le mec tourne avec moi. Les galères aussi du stop, hein. Ça fait une heure qu'on est sur le bord de l'autoroute. Que les gens première s'arrêtent. Difficulté, ouais. Voilà, les gens ne s'arrêtent pas trop, donc bon, on garde la pêche, hein. Mais voilà, c'est pas toujours tout rose, hein, le stop, hein. On croirait quand on nous voit sourire, faire des bisous à tout le monde et des câlins, mais... On est bloqué à Clermont. Et là, on est bloqué, hein. Oulala. Ça, tu participes au montage. Ah oui, d'accord, mais on voilà. Se voit pas, en fait. Oulala. Voilà, là, c'est bien. Je regarde pas, c'est trop hein, cool, avec Patricia et Anaïs. Vous allez où? Vous allez où? Oh, bah, bon... Anaïs, licence... Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада с вами познакомиться. Ah, mais d'où t'as eu l'accent comme ça? J'adore. J'ai été russe dans une autre vie, c'est pour ça. Ah. C'est un truc qui me plaît et au début je me suis dit je vais faire ça un an, deux ans. Et en fait j'étais tellement à fond, tu vois, j'avais pas de pression, je me disais pas je vais avoir des bonnes notes, je voulais juste m'éclater. Finalement je suis allée jusqu'au bout de la licence et j'ai même la mention, tu vois. Bravo. Donc t'as fait ce qui me plaisait quoi. Ouais, je fais ce qui me plaisait, ouais. Les gens qui nous conduisent nous offrent gentiment un petit sandwich sur l'air de repos. Notre premier don, un gros don. On est nourri par Patrice. Par ce débo. Bon alors Thomas, cette première expérience de conduite. Bah, très appréciable. Tu n'as jamais conduit, si je me rappelle bien. C'est la première fois que je conduis. Ouais, c'est la première fois que je conduis. Donc, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Est-ce que tu es très confiant dans Thomas? Très. Premier stop que tu as conduit? Eh ben écoute, la voiture était de bonne qualité, les passagers étaient ma foi fort agréables. Oh voilà. Et ouais, ça fait du bien de sortir un peu. Oh, les graveurs. Bon, on craque, on va à l'hôtel mec hein. Ouais, première classe. Petite session poubelle. Voilà. On allait visiter les châteaux de la Loire. Mais ouais, grave, on est en pleine. Bah, on est dans le coin, je crois, là. Ouais, on est dans le coin, on va essayer de trouver. Un petit château, histoire de. Comment on dit, de bourlinguer, de festoyer. Et de dormir au chaud. Youhou! Yo, yeah, brave gens! Nous quémandons pour festoyer dans un castel! Vous êtes à vous non plus? C'est le premier château qu'on nous a conseillé. On va aller voir ce que ça donne. On est à Chéméry. Bonjour madame. Avant d'arriver à Rennes, on avait un petit rêve qu'on voulait réaliser. C'est celui de visiter et peut-être réussir à dormir dans un château de la Loire. Ah non, on peut faire un petit dortoir au-dessus des mezzanines. Ah, c'est vrai? Ah oui. Oh, c'est bon ça! Vous êtes trop gentil! Incroyable, trop bien! Ah ouais!
premier château. Premier essai et premier but quoi. Bingo. Ça score direct. Et Cécile qui est juste derrière nous. En fait, a accepté immédiatement l'hospitalité qu'on lui a demandé. Incroyable. Et en fait, elle a récupéré ce château de la famille de Alain Souchon. Il en était le propriétaire et qui était à l'époque complètement en ruine. Et en fait, avec son mari, ils ont tout retapé. Effectivement, quand on arrive ici, on voit qu'il y a un charme de fou. Tout le temps, en fait, qu'il y a 30 ans, ça n'a rien de voir. Quoi. En fait, il n'y a rien de... Non, il n'y a rien de voir. Ouais, sur les bras, ouais. Un peu d'or. C'est bon pour la circulation, hein. C'est vrai. Youhou. C'est un petit par les artistes. Ouais. Je sais pas si c'est ce qu'on a toujours dit, en tout cas. Ah ouais. Je suis pas allé vérifier l'information, je t'avoue. Ah bah voilà, ça fait maintenant presque 3 heures qu'on est au boulot. Et on peut dire qu'on est avec fierté qu'on a quand même bien avancé dans la... dans le nettoyage du mur du fameux château de comment Chéméry. De Chéméry. Puisque du coup on a réussi à retirer le lierre de toute la façade, enfin toute la façade, d'une bonne partie de la façade nord du château. Et on est sur un superbe cadre puisque là le soleil est en train de peu à peu descendre et c'est ma foi plutôt fort plaisant. Je suis son maître comme son nom. Ouais, ah ouais, on a c'est vu ça. Assez, c'est assez incroyable. Et en Guadeloupe, il y a eu une tornade énorme. Et lui, toutes ses éoliennes ont tenu parce qu'il les avait montées sur un ressort. La solution, c'est la décroissance, mais aucun. Tous les partis politiques font pour la croissance. Qui ne font bien rien. Et toi, comment t'as fait pour dire oui tout de suite en fait, ouais. C'est quoi? C'est l'habitude de voir avancer un des marcheurs, juste l'ouverture d'esprit, oh, d'habitude oui, qu'il oui, a... Oui, oui, ouais. Oui. Donc ça vient de Amion. Amiens. Voilà, c'est une petite bougie qui est en plein déménagement en plus. C'est une petite bougie que tu mettras dans la chambre d'eau. Dans la chambre au Baltéquin, ça passera bien. Ouais, c'est bon. Et donc vous avez le droit de réfléchir et, on, et un petit cadeau que vous voilà. Transportez pour trouver un truc. Petite balade nocturne avant d'aller se coucher et d'attaquer demain par une voiture déjà au préalable réservé. Exactement, Axel. Notre autre Axel nous transporte jusqu'à Tours. Tout va bien quoi, c'est, on a trouvé notre logement à 15h, on a de nourriture. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est parfait. On se croirait pour voyager nous quoi. Référence des pros. Non mais c'est beau. Hein. Le lien dans la description. Yes. on est vraiment corporate. Bienvenue dans Qui aura l'oreiller. Ce soir nous proposons comme menu une pierre, une feuille et un ciseau. Tout va se jouer en un coup. Pierre, feuille. Ciseau et un ciseau, on montre notre signe. Ciseau. Ah.